Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ikhwatul kiram wa akhawat. Donc je fais une vidéo, binillahi wa ta'ala, pour parler sur le nasab. Alors concernant le nasab, donc c'est-à-dire vis-à-vis de ma généalogie, remontant jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains, comme vous avez pu le constater sur la chaîne de Ozama, hein, ont mis en doute, ont remis en question. Donc malgré toutes les preuves qui avaient déjà été fournies par le passé, et également la confirmation des RG marocains, hein, à laquelle il s'est enquéri Ozama, et qui était tout content de me le dire, rappelez-vous en 2023, donc à partir de la période de mai, celui-ci aujourd'hui réfute, celui-ci mécroit. Donc, ils disent que je ne suis pas de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pire encore, la personne qui parle avec lui, une femme, donc celle-ci, vous pourrez le voir sur la chaîne, hein, qui parle de ma généalogie un peu trop d'ailleurs, on se demande pourquoi. Leur but, il est clair. Leur but, c'est de dénigrer, c'est de mépriser et de remettre en question afin que tout le monde doute ou même carrément hein, dise comme eux qu'il n'est pas un descendant pour pouvoir se justifier sûrement et faire ce qu'ils font de comploter, de ruser, de mépriser, de m'insulter, sachant qu'ils connaissent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa famille. Donc, elle a dit qu'il n'y a pas Simarabet, subhanallah, qu'elle a cherché, etc., qu'il n'y a rien, ils ont dit j'ai usurpé des identités, j'ai usurpé, subhanallah, des arbres généalogiques, etc. Donc, en fait, ils ont dit énormément de mensonges. Donc là, je vais leur poser une colle, bien évidemment. Donc, j'ai posté dans le groupe avec mes frères, heureusement que j'ai tous les documents. Et donc, ici, regardez bien, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'encadré rouge, hein? C'est écrit quoi? Donc c'est très clair, pour celui qui sait lire l'arabe, c'est écrit Simarabet, d'accord? Le nom de famille, Simarabet. Donc qu'est-ce qu'elle va dire cette femme, hein? Qu'est-ce qu'elle va dire? Donc est-ce que ça c'est usurpé? Est-ce que ça, hein, comme ils le prétendent, hein, c'est aller piocher à droite à gauche comme ils ont dit? Vous voyez ce qu'il est menteur? Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les dévoile, hein? Donc ici, ce sont mes documents, d'accord? Sur le côté, on peut voir hein, le vert. Le vert, c'est mon classeur, tout ça. Donc j'ai posé dessus. Donc ils auront du mal à falsifier, hein, ils auront du mal à faire comme ils ont l'habitude de faire, avec leur usurpation d'identité, des mensonges, etc. Vous avez le tampon, mashallah, du président, d'accord? Voilà. Ça, c'est le président. Et vous avez ici sa signature, ici, là. Vous voyez là, c'est le tampon. Donc ça, c'est la signature. Donc ça, c'est au passage une réponse à Lionceau, hein, qui disait « Dans ces arbres généalogiques, ok, certes, il y a les tampons, mais il n'y a pas les signatures. Et tant qu'il n'y a pas les signatures, donc, eh ben regarde, j'espère que tu as des yeux, je sais que tu ne sais pas lire l'arabe, mais bon, va te le faire traduire. Tu vois? Tout est clair, voilà. Tout ça, c'est la lignée jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout en bas, vous avez même les ouvrages, subhanallah, à laquelle c'était référencé. Donc tout a été dit. Hein. Donc on précise bien, hein, regardez, c'est bien arabe. Hein, d'accord? Vous avez le numéro 00212 37 77 25 05. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant, hein? Donc ça, c'est le fax. Hein, c'est écrit. Ok? Fax. Et ça, c'est le raqam, ici le numéro que vous pouvez constater et appeler pour ceux qui ont des doutes, tout simplement. Donc ils disaient, Marabatin, ah oui, ils sont connus, ils ont leurs ancêtres. Oui, on a nos ancêtres, effectivement. C'est nous qui avons fondé même la Zawiya à Ouazen, au Maroc. Nous sommes de lignée directe, hein. Vous pourrez le constater. Hein. Vous pourrez lire, pour ceux qui savent lire l'arabe. Donc ici, je demande même à un frère qui est à Médine, mashallah. Hein, ici, je vous dis, c'est écrit quoi dans l'encadré? Celui-ci répond, machallah, c'est malabat, effectivement. Donc, je leur donne même, subhanallah, ici, la traduction de tout ça, pour ceux qui, parmi mes frères, ne savent pas lire l'arabe. Donc, on a le regroupement mondial des nobles, Al-Sibayin, bureau central à Rabat, royaume du Maroc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, colonne de lignée noble, Simarabat Al-Sibayi, Al-Idrisi, Al-Hassani. D'accord? Et ici, vous avez, mashallah, tous mes ascendants de Al-Tayyib, ibn al-Yazi, ibn al-Allal, ibn Sayyidi Muhammad al-Halwi, ibn al-Sheikh, ibn Muhammad. D'accord? Bon, la liste, elle est trop longue, d'accord? Pour tout vous citer.
Mais ça remonte bien justement, et là, vous pouvez le voir, jusqu'à Benou Idriss el-Azhar, Benou Idriss el-Akbar, Benou Abdallah el-Kamil. D'accord? Donc, on retourne. Ici, Mashar ibn al-Hassan. Hein? Regardez, al-Musanna, Benou al-Hassan el-Sibt. Donc, Hassan el-Sibt, c'est Yani el-Hassan ibn Ali. Hein? Al-Sibt, Yani, c'est parce qu'on dit le saint, ici, Yani. Benou Ali, karamallahu wajha, de la chair ici, hein, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sa mère, Fatima Zahra, fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme cela qu'a été constitué cet arbre honorable. Vous avez bien lu, c'est écrit quoi? Cet arbre ouais, qu'à laquelle ils n'arrivent pas à trouver sur Internet. Vous ne trouverez pas, bah, c'est à moi, c'est propre à nous, subhanallah. Hein? Voilà, cet arbre honorable et ce contrat précieux par le comité permanent des grands savants. Des grands savants, mashallah. D'accord? Et vous avez, subhanallah, énormément de noms qui ont été cités. Hein? On retrouve Ibn al-Khaldoun. Tiens, qu'est-ce qu'elle disait, cette femme à Ousama, concernant Ibn al-Khaldoun? Elle se moquait. Hein? Elle se moquait, subhanallah, bande de djouhala que vous êtes. Wallah, vous êtes des menteurs et vous aurez des comptes à rendre. Il y a même dans les ouvrages, subhanallah, des diversifications qui ont été apportées. Hein, tout est là, mashallah. Vous avez même ici qui était le président, hein, qui a donné la signature par rapport à, mashallah, ce certificat. C'est Abdallah el-Hafidi, el-Sibai, el-Idrissi, el-Hassani. Voilà. D'accord? Donc ici, tout est clair. Ok? Naam, ce sont des menteurs par Allah. Voilà. Et je suis bien de lignée directe. Donc ici, regardez, je leur transmets aussi un document. On peut voir ici dans ce document. Donc, en Algérie, les Taïbias sont nombreux, hein, dans le département de Ouaran, où ils ont acquis une certaine indépendance vis-à-vis de la Zaouïa mère. À Oranville, 500 adeptes environ, la Zaouïa Taïbia fut fondée en 1868. Autre Zaouïa aux portes de Mascara, route de la Sania et à Mimoussa. À Ben Sès, donc la Zaouïa remonte au 5e siècle de l'Égir. Son chir, qui est son chir? Simara Bet Moulay Abdallah. Ould Abdeljalel. Donc Moulay Abdallah, c'est justement cette femme qui avait écrit hein, en commentaire à Ousama en prononçant justement Moulay Abdallah. Donc elle ne savait pas c'était qui de par son arbre généalogique. Eh bien ça, tu vois, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Eh oui. À laquelle justement, hein, il y a même une photo de lui et qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ousama les avait vues pourtant, ces photos-là. Ah mais les gens sont amnésiques, bien évidemment. Et il est né en 1892. D'accord? Donc, ici, alhamdoulillah, j'ai apporté énormément de preuves. J'ai apporté également, mashallah, quelques captures d'écran montrant, mashallah, par rapport à la lignée du frère Nasreddin qui est dans le groupe et qui est également à Ahlul Bayt, à Hassani. D'accord? De par Shajat al-Sanoussi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir également? Donc, en haut, d'accord? Vous pouvez bien voir Sanoussi. Voilà, aligné, mashallah, également. Hein? Ahlul Bayt. Et ici, en dessous, c'est écrit quoi? Ahmed al-Murabit. Al-Murabitoun, Marabatiin, disait Oussama, subhanallah. Hein? Ils n'arrivent pas à chercher. Hein? Ajibullah, Behdi, là, parce que ça, là, cette capture, ça, d'écran, là, c'est d'Internet, ça. Ça, oui, tu vois. Et on le retrouve, encore une autre, d'un différent site. Voilà, mashallah, regardez. Mohamed El Mahdi Sanoussi. Subhanallah. Taïb. Pareil, ça explique Subhanallah sur ici la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Ahmed El Mourabit. Ah, Subhanallah. Ma famille. Et ces gens-là, Subhanallah, nous dénigrent et disant non, ils ne sont pas de Ahlul Bayt. J'ai pareil. Ibn Ahmed El Mourabit. Subhanallah. Trois sites différents et j'ai réussi, moi, à montrer ce qu'eux n'arrivent pas à montrer. Hein? Bande de Johala et bande de Monafiqi. Tout le monde a vu ce qu'il en était de vous. On refera une autre capture. Pareil, ici, c'est écrit quoi tout en haut? Hein? On va agrandir, Inch'Allah. Juste avant, l'encadré violet. Shajarat al-Sanoussi. Shajarat al-Sanoussi. L'arbre généalogique, la famille Sanoussi. Subhanallah. Donc ici, tout est clair. Adawada. Pour ceux qui veulent véritablement voir ce qui l'en est. Donc, le frère également, il ramène son arbre généalogique, Masha'Allah. Nasreddin, nous y figurons subhanallah également à l'intérieur. Moi-même, je leur explique, voici les trois captures d'écran plus haut.
venant de trois sites différents où vous pouvez voir que le nom de famille du frère d'un Saïd et le mien ressort. Saïd al-Sanusi, Ibn al-Arabi, al-Atrash, Ibn Muhammad, Ibn Abdelkader, Ibn Ahmed. Ça serait trop long à tout dire, hein, bien évidemment, mais on va s'intéresser à celui-là. Regardez, vous pouvez le voir. Ibn Rashid, Ibn Ahmed al-Murabit. On va descendre. Qu'est-ce qu'on voit ensuite ? Pour vous montrer que c'est deux lignées en plus directes. D'accord ? Deux lignées directes. Moi et le frère, on est, subhanallah, deux lignées directes. D'Al-Hassan ibn Ali. Là, vous pouvez lire, subhanallah, Ibn Ya'qub, Ibn Daoud, Ibn Hamza, Ibn Ali, Ibn Imran, Ibn Moulay Idris al-Azhar. C'est qui ? C'était le roi du Maroc et le constructeur de la ville de Fès. Ibn al-Mawla Idris al-Akbar, le premier des rois, des nobles, al-Darisa au Maroc. Ibn Abd al-Kamil, Ibn al-Hassan, al-Musanna, Ibn al-Imam al-Hassan, al-Sibt, Amir al-Mu'minin Ali, Ibn Abi Talib, Ibn Abd al-Muttalib, Ibn Hashim. Qu'est-ce qu'ils vont dire, subhanallah? Hein? Ça y est, c'est souligné Ahmed Merabet. Et Sen aussi, mashallah. Mashallah, à Fès, les habitants des palais sont des délicites. Naam, Mustafa. Naam, Ajel. Hein? Ah, subhanallah. La Salindine qui lui dit exactement, Saïd, mashallah. C'est ce que tu m'avais dit et on voit bien le nom Rabat. Naam, c'est écrit. Seuls les ignorants et les Juhala ou les amnésiques ou bien ceux qui sont aveugles comme leur groupe, hein, ne verront pas tout cela. Dans mes recherches, ça c'est le frère qui parle. J'avais également trouvé l'arbre généalogique de ton ascendant, Moulay Taïb de la Zawiya, Taïbia, qui est connu en Algérie, dont l'origine est à Ouazen, au Maroc. Comme je l'avais dit, subhanallah, mais au Maroc. Oussama savait cela. Mais comment se fait-il, subhanallah, qu'il est amnésique? Bah, parce qu'aujourd'hui, il me combat. Eh oui, il a mécru. C'est un mouchrik billah. Il a montré qu'il était plus adepte et passionné de ses figurines, plutôt que de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas s'étonner, hein, si vous aurez Nar ou Jahannam, comme il l'a dit le Nabi. Celui qui nous déteste, nous, la famille du prophète, sa place, elle est dans le feu. Et nous sommes bien de lignée directe, et je viens de le prouver. Donc, ces charlatans imposteurs qui mentent à longueur de journée, qui ont inventé en disant « il ne l'est pas, après il est d'une branche, il est lointain. » Non, je suis de lignée directe, et je l'ai prouvé, subhanallah. Donc tout ça, là, j'ai envie de dire, Osama, si moi, qui suis de lignée directe, qui montre cela, mais ces documents, et qui contacte, hein, justement, le gouvernement au Maroc, vis-à-vis de ta personne, bah, je vais t'assurer qu'une chose, mon frère, ils vont te soulever, wallah, meknes. Ils vont venir jusqu'à chez toi, ils rigolent pas avec ça. Ça, c'est moi qui te le dis. Ils ne rigolent pas avec ça. Tu vas faire du haps. Tu vas faire du haps. Et tous ceux qui sont d'origine marocaine et qui te suivent sur ça, aussi vont faire du haps. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Bah, vous jouez là-dessus. Ça peut aller très loin. Hein. Et je peux t'assurer qu'Allah il a dit, tu vas pleurer. Ce n'est pas Cindy qui va sortir de Haps, hein. Ni Hussein. Hein. Hein. Au contraire, il se fera un plaisir de t'embarquer. Il va dire, ah, mais là, tu as joué sur quelque chose de lourd. Qu'est-ce que tu as fait? Ah bah ouais, tu veux jouer la poule. Eh ben, on peut jouer. Hein. D'accord? Donc l'épreuve, subhanallah, alhamdoulilah, hein, j'ai expliqué. Et j'ai expliqué, mashallah, également avec beaucoup d'autres choses. J'explique aux frères ici en dessous pas mal de détails. Donc ici, vis-à-vis des frères, je leur dis justement, je vous présente la capture d'écran du certificat de mon arbre généalogique, hein, que le bureau central à Rabat ont accordé à ma famille. Pour preuve de notre lignée, on voit dedans tous mes grands-parents. Et arrière-arrière-grands-parents, ce certificat est bien signé et caché. Hein. Donc par le président du regroupement mondial des nobles sibarines, on peut voir que ce certificat concerne la famille Simarabet, où le nom est bien mentionné au début. On va donc décortiquer ensemble, ça c'est ce que je dis avec mes frères, ce certificat en montant les arbres généalogiques. Donc je vais leur présenter bien évidemment les photos. Donc je leur dis de montrer la première photo, la deuxième, ça c'est si vous ne savez jamais, ils voulaient faire des vidéos, parmi certains, parmi les frères, machallah, et le mettre justement sur la chaîne par exemple du frère l'autre fille, afin qu'ils comprennent. Et alhamdoulilah, car moi je n'ai cessé de le dire, je n'ai cessé d'expliquer. Donc ici, alhamdoulilah, j'explique et je décortique avec eux. Donc, on va décortiquer ensemble ce certificat en montrant les arbres généalogiques de mes arrière-grands-pères. Et je dis bien en montrant les arbres, les au pluriel, car nous en avons plusieurs. D'accord? Nous en avons plusieurs. Et ils disent, il les a pris. Non, c'est à nous, ça. Ça, c'est à nous. C'est propre à nous-mêmes. D'accord? Parce qu'on est une grande famille. Aïla Kabira. Une très, très grande famille, mashallah. Alhamdoulilah, qui s'étend du Maroc, jusqu'en Algérie, en Syrie. Il dit, ah, ils ont pris des Assyriens. Oui, en Syrie, nous avons aussi, subhanallah, notre famille, il faut le savoir. Hein. Même fil Irak, en Irak,
également en Arabie Saoudite et au Yémen. Eh oui. Bref, ce serait trop long, subhanallah, à parler avec ces hypocrites, hein, qui malheureusement font tout pour nous dénigrer. Leur but, c'est ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, les a dévoilés. Donc ici, je leur ai dit, je possède chez moi, à la maison, hein, et que me l'ont accordé, alhamdoulilah. Il faut savoir que tous les Ahlul Bayt ont des grands-parents en commun, d'où le fait qu'il y a d'autres familles qui ont le même arbre généalogique. Prenons le cas, mashallah, du frère Nasruddin. Hein, il a le même arbre généalogique. Voilà, donc c'est clair. Comme le mien, car on a le même grand-père, c'est logique. Commençons par le premier arbre généalogique, celui de mon ascendant, Abdallah el-Kamil, fils de Al-Hassan el-Musanna, fils de Al-Hassan, fils de Ali, ibn Abi Talib et Fatima Zahra, alayhi as-salam. Donc dans la première photo, on dit montrer la première photo de l'arbre généalogique, donc je leur dis cela afin comme ça qu'ils puissent y retrouver. Donc la première photo, alhamdoulillah, je l'ai descendue en dessous, pardon, à Fouen, donc elle est ici, voilà. Donc ici, j'explique, hein, je montre par rapport à ce qu'il en est. Donc, vous pouvez constater, hein, alhamdoulilah. Donc ici, je dis, dans cet arbre généalogique, on voit clairement les prénoms de mes grands-parents, cités, hein, de le certificat délivré par les autorités. Je vous les cite, Inch'Allah, on trouve Abdallah al-Kamil, Idriss A, c'est-à-dire Akbar, ou Idriss al-Thani, ok, c'est Asghar. Ou Mohamed Abdallah, Mohamed Ibrahim, Imran, Mohamed, Ahmed, Abdallah, Abdurrahman et Abdelkarim. Donc ici, passant, donc ici, tous ces noms-là, c'est justement dans l'encadré, hein, que vous pouvez voir, en fait, de par les deux flèches. Donc, à gauche, avec tous les noms, et de l'autre côté, à droite, avec un seul nom qui est justement Abdallah al-Kamil. Donc, on va y aller vite fait. Donc, on va descendre, voilà. Voilà, ici. D'accord ? Abdallah al-Kamil. Voilà. Donc, ensuite, donc, vous pouvez voir, on voit bien sur cet arbre généalogique, aussi les prénoms de mes ascendants. Abdallah, fils de Ibrahim. Et que de par lui descend mon ascendant Al-Tayyib, d'accord, Al-Tayyib, qui est cité au début du certificat de Simarabet, et qu'on voit aussi que Al-Mahdi descend de Tayyib. Sur le deuxième arbre généalogique, vous pouvez constater une chose, pour ceux qui ne savent pas, il y a, subhanallah, ici, une indication comme cette femme qui parle avec justement Osama et qui parlait de mon arrière-grand-père, en disant qu'elle avait trouvé juste ce nom, mais elle ne saurait pas l'expliquer. Bah oui, bah c'est pas son grand-père, hein. Donc elle ne sait pas. Nous, alhamdoulilah, on a les dates, on a tout, hein, de leur date de décès de nos grands-pères, donc on sait qui est qui et à quelle date il a été enterré, Inch'Allah, à Besnes, et d'autres dans certaines villes, par exemple au Maroc, et certains en Algérie. Donc ici, on voit bien ici, regardez, qu'est-ce qui est mentionné ici. Sidi al-Hajj, hein, Abdesalam, regardez, vous voyez bien, hein, ici et là. Sidi, ok, voilà, regardez, Sidi Al-Hajj Abdesalam, subhanallah. Donc ça, c'est pas wadah, ça, c'était très clair. Ils ont dit, subhanallah, ici, comme quoi, voilà, il a menti, etc. Bah, c'est vous qui mentez. Alhamdulillah, j'apporte les preuves. Ici, c'est écrit quoi, ici, là? Là, 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 ici, là, hein? Al-Wazan, subhanallah. Wazan, yani, mais le Maghreb. Quand je vous disais, subhanallah, que c'est nous qu'on a fondé. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين ما كان للإنسان في الجوف من قلبين لكن حبهما نسكنه في العينين لكن حبهما نسكنه في العينين
قليل أنوار أحمد قام شعت من القمرين ضيعت من الحسن ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين وكذا على الحسن من وحد الصفين وعلى الحسين والحق في الثقلين وعلى الصحابة من قد حسنين وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين تعداد من صلوا لله في الحرمين ومن الشهيد حسين. C'est écrit quoi là ? Hein ? Qu'est-ce que c'est écrit là ? On est loin des 1924. Hein ? Moi je te le dis. Hein ? C'est écrit quoi là ? Regardez, 1120, 1040, hein? Là, vous avez quoi, regardez, 1120, hein, 1040. Vous avez la naissance et le décès, hein? C'est écrit quoi, là? Maulay At-Tayyib. Regardez. Maulay, ici, bon, là, c'est flou parce que je zoome. Vous avez Maulay At-Tayyib. Et qu'est-ce qu'on le retrouve, Maulay Tayyib ? On le retrouve pas, subhanallah, sur le certificat de mes ascendants, justement ? Ah, on le trouve, il est là. Il est là, regardez, 1101 à 1181. Et là, ça s'arrête à 1924, que des menteurs. Et là, c'est écrit quoi, là ? Al-Wazani, Wazan, Al-Maghrib. Hein ? Et on voit bien ici, comme je vous le redis encore, Sidi Al-Hajj, Abdessalam. Voilà, comme lui qui l'a rapporté dans la capture, subhanallah. Toutes les preuves, ils sont là, subhanallah. Ajib. Et en plus, subhanallah, je l'explique bien. Donc j'explique. Vous avez même de mon épouse, subhanallah. En quatrième photo, c'est écrit clairement Sayyidi Makhlouf. Ce qui montre que moi et mon épouse, comme je dis, on a le même ascendant. Qui ? Bah, Abdel Kamil. Abdallah El Kamil. Ça c'est, inshallah, à la quatrième. Voilà, on va le voir, regardez. Pareil, hop, si, hop, Sidi Makhlouf, voilà, Sidi Makhlouf, bah ça c'est le nom de famille de mon épouse, voilà, c'est une Hassani, mashallah, vous avez toujours les tampons, mashallah, à poser, voilà, qu'est-ce qu'il y a, on vous montre toutes les preuves, mais malheureusement, il y a beaucoup, subhanallah, qui sont sourds au rappel, hein. voilà, alhamdoulilah, tout est là. J'ai tout expliqué. Je pouvais encore vous montrer d'autres. Hein. J'en ai plein. Plein. Par Allah Azzawajal, ce que là j'ai montré aux frères, c'est juste une petite partie, c'est tout. Voilà. C'est juste une petite partie. Mais l'essentiel, c'est que voilà, vous voyez un petit peu qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. J'ai même Del Hussein. Parce que nous, on est Del Hassan ou Al Hussein. D'accord ? Et ici, subhanallah, c'est venant justement Del Hussein de mon ascendant Suleyman. Benoît Abdallah. On voit clairement mes ascendants Sayyidi Mohamed Ahmed, Mohamed et Suleyman. Ça, c'est dans la photo 3. Del Hussein.
D'accord? On le voit, regardez ici, hop, sous l'Aïman. Voilà. Donc en fait, parce qu'en fait, ils se marient entre eux. Les Hassani, les Husseini, ils se marient entre eux. Et nous, mashallah, on est à la base de Hassan, de Hassan ibn Ali. Et eux, comme après, ils se sont mariés, subhanallah, de par mon ascendant ici sous les mains, on descend de l'Hussein. Regardez ici, vous voyez, Al-Hussein, regardez, la flèche, elle est là. Al-Hussein, et juste en dessous, vous avez qui? Ali Zayn al-Abidin. Vous avez qui encore? Mohamed al-Baqir. Hein? Vous avez qui celui-là? Ja'far al-Sadiq. Wa man Ja'far al-Sadiq? C'était le professeur. Hein? De qui? Le maître de qui? Sofiane al-Thawri. Ah, mashallah. Et qui d'autre? Abu Hanifa. Abu Hanifa. Qui d'autre a repris également de ses ouvrages et qui a compilé le célèbre Muwatta? L'imam Malik. ولدني أبو بكر الصديق مرتين هلم إلي أوريك عجبا. صفحة طوتها الأيام عنا زمنا طويلا وحينما استوقفنا التاريخ أخرج لنا من جيبه هذه الصحيفة التي ما زالت شاهدا على المحبة والقرابة بين آل البيت والصحابة وحين طالعنا حروفها تصدرت هذه العبارة الرائعة وجه الصحيفة ولدني أبو بكر الصديق مرتين القائل هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين الملقب بالصادق إنه يزهو بأصوله التي تمتد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه جده لأمه أم فروة بنت فقيه أهل المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر وهذه هي الولادة الأولى أما أمها فهي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وتلك هي الولادة الثانية وما الذي حدا بالباقر ليتزوج من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا مطمع سياسيا ولا رغبة اقتصادية إلا الحب والوفاء والتخير للنطف أتدري متى كانت هذه الزيجة؟ لقد كانت بعد وفاة أبي بكر بقرابة 70 عاما لتكون شاهدا على أن علاقة الصحابة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتر يوما يقول جابر الجعفي عن محمد بن علي قال أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول ومما أخرجه الدارقطني عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر أن رجلا جاء إلى أبيه زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم فقال له أخبرني عن أبي بكر فقال عن الصديق فقال الرجل وتسميه الصديق فقال له ثكلتك أمك وقد سماه صديقا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن لم يسميه صديقا فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة هذا وتبقى هذه العبارة التي تناقلها الناس عن جعفر الصادق رضي الله عنه تتردد في مسامع الدنيا ولدني أبو بكر الصديق مرتين قف وانظر وتأمل في سير النبلاء هذا الصادق جعفر وإمام العلماء يحكي عن معدنه بفخار وثناء يحكي عن معدنه بفخار وثناء الجد أبو بكر
والجدة أسماء، الجد أبو بكر والجدة أسماء. ما شاء الله، regardez nous la noblesse. ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله سيدي محمد. الله أكبر الله أكبر. Tout, j'ai tout, alhamdoulilah, je peux vous les expliquer. Mais eux, est-ce qu'ils peuvent? Ah non, bah, c'est pas eux. Hein. C'est pas leur famille. Hein. Ouais, ouais. Notre famille, elle est immense, mais alhamdoulilah, on peut l'expliquer, nous. Voilà la différence entre nous et eux. Nous et eux. Voilà. Bref, je m'arrête ici, je pourrais continuer encore, mais. Alhamdoulilah. Celui qui veut qu'il croit, fa mencha fa liyoumin wa mencha fa liyakfur. Wa atadana li dhalimina nara. Voilà, et après, ici, les dernières modifications datent de 1924. Bon, deux menteurs, voilà. C'est normal. Vous ne savez même pas ce qu'il en est, subhanallah. Wallah, vous ne savez pas ce qu'il en est. Vous savez pas, c'est facile de parler sur les arbres généalogiques, mais vous ne savez pas les décortiquer, les expliquer. Ben, c'est normal, ce n'est pas vos grands-pères, donc vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien, en fait. Vous êtes juste en train de blablater et vous moquer. C'est tout ce que vous savez faire. Et là, il jubile. Il jubile en mettant mes photos comme ça. Hein, avec des cornes de chayatin, tu verras où tu seras, Osama. Wallah. Les rêves, ils sont clairs contre toi. C'est Narou Jahannam qui t'attend. Wallah. Ouais. Le Prophète, il l'a dit, la colère d'Allah sera contre ceux qui feront du mal à ma famille. Je vous rappelle Allah, il a dit, à travers ma famille, prenez garde à comment vous vous comporterez hein, avec eux après moi. Je vous rappelle Allah, à travers ma famille. Hadith al-Saqalayn, al-Mithaq. Le poids, le Coran, wa itarat, c'est le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qu'a le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, mais bon, vous avez abandonné le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas votre prophète. Ça vous fait mal quand je dis mon grand-père. Hein. Regardez, moi, je vous le dis bien. Jaddi Rasoulillah, na'am, quand on se reverra tous, le Qiyama, je vous reparlerai de tout ça. On verra, subhanallah, si vous allez bénéficier de Shafa'a min Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession. Uqsim billah, c'est le feu que vous allez avoir. Wallah al-Adim, c'est le feu par Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez avoir. Al-Muhim, alhamdoulilah, j'ai apporté les preuves maintenant. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit. Et vous allez voir quand Malik al-Mouti viendra à vous, si j'étais un menteur ou si j'étais un véridique. On vous a montré que c'était des mouchirikin. On vous a montré que c'était des munafiqin. On vous a montré clairement ce qu'il en était. Ils mettent de la musique. Ils mettent, subhanallah, leurs figurines. Ils adulent ces figurines. C'est de l'idolâtrie. Et ils m'appellent le Samiri. Alors que c'est eux qui se rassemblent, subhanallah, sur les pas du Dajjal. Ce sont des Juhala et des Dajjalin. Wal'iyadhu billah. You found, then a man came to Imam Zain al-Abidin and said, curse be on you. Imam looked at him, look at the akhlaq of Al-Muhammad. He said, oh man, have you read the Quran? He said, yes. He said to him, have you read the ayah? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innama yuridu Allahu liyudhma'akum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira. He said, yes, yes, it's about Al-Muhammad. He said, have you read the ayah? وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. He said, yes, yes, it's about Al-Muhammad. He said, have you read the ayah? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. I don't ask from you anything except love for my near ones. He said, yes, it's about Al-Muhammad. He said, do you know who you are? He said, no, but I heard that your grandfather was evil, Khawarij, rebel. And I heard that you're his grandson. He said, no. He said, we. يا مولاي، أحب أن أسألك عن شيء هو والله يجول في صدري وصدر كثير ممن يحبك ويواليك. سل يا خراساني. يا ابن رسول الله، أنت تعرف ما لكم عند شيعتكم من الرأفة والرحمة، وأنتم أهل بيت الإمامة. جزاكم الله خيرا يا خراساني. فما الذي يمنعك يا سيدي وأنت صاحب الحق أن تقوم لحقك واخترت أن تقعد عنه؟ ما لي شيعة يعينونني على ذلك. يا مولاي، إن نجد من شيعتك 100,000 يضربون بين يديك بالسيف. تمهل يا خراساني، رعى الله حقك. يا معتب، اسجر التنور. السمع والطاعة يا مولاي. يا سهل ابن حسن، قم واجلس في التنور. قم
قم واجلس في التنور. يا ابن رسول الله لا تعذبني بالنار، أقلني أقالك الله. قد أقلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هارون ادخل التنور. حدثني عن خراسان، هل تفرق أهلها عن بني أمية وأخذوا بشعارات محمد بن علي؟ فداك أبي وأمي، لم أعرف ما قلت، فإن لا بأس. كم تجد بخراسان مثل هذا؟ لا والله، مثل هذا ولا واحد. أما نحن يا خراساني فلا نخرج في زمان لا نجد فيه 5 معاضدين لنا. نحن أعلم بالوقت.